Une femme. Cette femme, c'est Mathilde Lorrain, une Française. Il l'épouse en août 1927. Elle lui donnera un fils, Habib Bourguiba Junior. Plus tard, beaucoup plus tard, ils divorceront. Mais aujourd'hui, Bourguiba a tenu à remettre à sa fidèle compagne la plus haute décoration tunisienne, le mérite Bourguiba. Tu as souffert avec moi pendant 30 ans. Mais j'ai fait mon devoir. Oui, oui, tu l'as fait. Et je te dois ça. Merci. Et même beaucoup, beaucoup je plus. Je crois que je l'ai mérité, ainsi que tous les anciens qui sont là. Oui, oui. Et c'est pour plus cela tard, que... pour eux. Que j'ai tenu à faire cela, n'est-ce pas, publiquement, en présence de tous les vieux militants que tu as connus. Oui. Que je revois. Je te revois. Et je te souhaite de vivre longtemps avec toi. Et moi aussi, j'espère pouvoir vivre un peu plus longtemps. Mais enfin, je suis content que j'ai vécu jusqu'à ce que ce jour où j'ai pu consacrer et récompenser tout ce que tu as fait pour moi, pour mon pays, pour ma patrie, tout ce que tu as souffert pendant les périodes de lutte, tout ce que tu as fait pour faire de mon fils un Tunisien et un musulman. C'est cela. De même que si je l'ai fait, c'est pour être comme lui et comme toi, musulmane. Oui. Et je l'ai fait de grand cœur. Oui, oui. Et je continuerai jusqu'à la fin de mon heure.